Et c'est un nom qu'on a beaucoup entendu ce week-end, Fabrice Leggeri, ancien directeur donc de Frontex, on en parlait à l'instant, l'agence qui surveille les frontières européennes. Il a annoncé qu'il rejoignait donc le RN pour les élections européennes, ce sera le 9 juin prochain. Quelle est la portée de ce ralliement? Pour en parler, je reçois Patrick Martin-Genier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Europe. Fabrice Leggeri qui rejoint la liste de Jordan Bardella pour les européennes en troisième position. Donc c'est une bonne prise finalement pour le Rassemblement National. Je crois que M. Bardella et le Rassemblement National veulent faire un coup politique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis la thématique migratoire au cœur de leur campagne électorale, l'immigration illégale. D'ailleurs, M. Leggeri doit se rendre aujourd'hui, je crois, à Menton, à la frontière italienne. Mmh. Donc, évidemment, avec Jordan Bardella, c'est le thème migratoire. On parle de subversion migratoire. Et évidemment, comme M. Leggeri a été directeur exécutif de l'agence Frontex, qui, comme vous savez, est chargée de contrôler les frontières contre l'immigration illégale, c'était évidemment une prise de guerre, si j'ose dire, pour le Rassemblement National. Et c'est un gage finalement de crédibilité supplémentaire pour le RN sur les questions migratoires ? Écoutez, je ne sais pas si c'est un gage de crédibilité, car comme vous savez, le personnage est quand même quelqu'un de très contesté. Il a dû démissionner en 2022, au mois d'avril 2022, notamment à la suite d'une enquête de l'Office de lutte contre les fraudes, l'Office européen de lutte contre les fraudes. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui, par ailleurs, n'est pas très connu du grand public, mais c'est effectivement un gage de crédibilité en ce sens qu'ils veulent montrer qu'ils sont capables de s'attirer des hauts fonctionnaires, notamment des hauts fonctionnaires qui ont exercé au niveau de l'Union européenne pour montrer qu'ils peuvent effectivement traiter de ce thème migratoire. Mmh. Quel est son bilan, Fabrice Leggeri ? Il est resté, vous l'avez dit, 7 ans à la tête de Frontex entre 2015 et 2022. C'est quoi son bilan ? Écoutez, je crois que c'est une agence qui n'avait pas beaucoup de moyens avant, et depuis le mandat d'Ursula von der Leyen, il a été décidé avec les chefs d'État et de gouvernement de renforcer considérablement les moyens. Avant, c'était un office qui n'avait pas les moyens, vous savez, qui sont installés à Varsovie, ils ont des moyens financiers qui étaient limités, mais depuis effectivement quelques années, la volonté est de renforcer les moyens financiers, matériels, humains, qui doivent effectivement aller jusqu'à 10 000 personnels pour renforcer précisément le contrôle des frontières. Donc c'est quelque chose, un instrument en quelque sorte qui va monter en puissance pour contrôler cette immigration illégale, et on peut dire aujourd'hui que cet office est en voie de réussir son pari, sauf que son directeur, encore une fois, M. Leggeri, a été très contesté, et que notamment il a été accusé de ne pas respecter les droits fondamentaux des migrants, des réfugiés, et d'avoir pratiqué ce qu'on appelle le pushback, c'est-à-dire le refoulement illégal des migrants en Méditerranée. C'est en partie ce qui a provoqué sa chute. En somme, c'est pas surprenant finalement de voir rejoindre le Rassemblement National. C'est pas surprenant. J'ai cru comprendre qu'il était allé démarcher d'autres responsables politiques. Il a rencontré les Républicains, M. Ciotti. Il aurait rencontré également Mme Morano. Il aurait proposé sa candidature et on lui aurait opposé une sorte de fin de non-recevoir. Il a trouvé mieux au Rassemblement National qui, manifestement, veut faire de l'immigration le thème central de sa campagne électorale pour les élections du 9 juin au Parlement européen. Et pourtant, Jordan Bardella a beaucoup critiqué l'impuissance de Frontex, notamment à l'époque où Fabrice Leggeri était à la tête de l'agence. C'est pas un peu surprenant de ce point de vue-là, finalement ? Oui, mais il va trouver un moyen pour instrumentaliser le thème migratoire. En réalité, même s'il a critiqué l'OLAF, l'Office de lutte de contrôle de Frontex, s'il a critiqué cet organisme, en réalité, aujourd'hui, ils sont en train d'instrumentaliser le thème migratoire, à savoir en disant que c'est parce que on ne lui a pas donné les moyens de lutter contre l'immigration illégale que M. Leggeri a échoué en quelque sorte, et il est en train de dire qu'on ne lui a pas donné suffisamment les moyens, et qu'aujourd'hui la thématique, c'est bien de lutter contre cette immigration illégale. Je crois même qu'ils ont employé l'expression « subversion migratoire ». Donc on voit bien qu'on est aujourd'hui dans l'instrumentalisation de ce thème migratoire. C'est-à-dire que quand tu le dis que finalement c'est pas un problème cette question migratoire pour la Commission européenne, mais c'est un projet, c'est-à-dire que là on est sur d'une certaine manière déjà sur une forme de combat politique, quoi.
Bien évidemment, c'est d'une parfaite mauvaise foi, parce que la Commission européenne n'a eu de cesse depuis quelques années de renforcer les moyens de Frontex, la direction des chefs d'État et de gouvernement. Bien évidemment qu'il n'y a pas d'objectif de faire en sorte que l'immigration soit un projet politique, ça n'a jamais été le cas. Néanmoins, il y a une volonté de la Commission de lutter contre cette immigration illégale, on renforce les moyens, et donc dire cela, c'est d'une parfaite mauvaise foi, en ce sens que, bien évidemment, que la lutte contre l'immigration illégale, ça fait partie des projets très importants de l'Union européenne, mais dans le respect des droits fondamentaux, dans le respect du principe de non-refoulement, et c'est tout cela qu'il faut concilier aujourd'hui, la lutte contre l'immigration illégale, mais le respect des droits fondamentaux des migrants. Patrick Martin-Genier, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. 7h52 sur Sud Radio, dans un instant, c'est Guy Carlier qui nous rejoint. À tout de suite.